Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la formation de l'imparfait. Comment forme-t-on l'imparfait? L'imparfait est formé d'un radical et d'une terminaison. Quel est le radical utilisé? On conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel, nous. On prend le radical. Puis, on ajoute la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, le verbe lire. Au présent, nous lisons. Le radical est LIS. Et on ajoute les terminaisons. Je lisais, tu lisais, il lisait, ils lisaient. La prononciation est la même pour ces quatre personnes. Pour nous et vous, on entend le « i » pour faire la différence avec le présent. Nous lisions, vous lisiez. Il n'y a qu'une seule exception. C'est « être ». Le radical est « e » accent aigu « t ». Mais les terminaisons sont les mêmes. J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Et maintenant, une petite astuce. Ne confondez pas l'imparfait avec le futur. Je lisais avec un S. Je lirai avec un R et pas de S. Je lisais, je lirai. Le R est la marque du futur. Si vous avez un R dans votre imparfait, réfléchissez encore une fois et conjuguez au présent avec nous. Nous lisons. Quand utilise-t-on l'imparfait? Eh bien, c'est simple. Pour parler des souvenirs, nous allions ensemble à l'école. Ou bien pour parler des habitudes passées, j'achetais tous les jours des bonbons chez le marchand. Ou encore, pour faire des descriptions dans un récit au passé. Il avait de gros yeux bleus. Et voilà, maintenant vous savez conjuguer à l'imparfait. Merci et à bientôt.